Dans l'évangile de ce mardi 27 avril 2021, Jésus déclare à un moment donné: Mon Père qui m'a donné les brebis, mes brebis, mon Père qui me les a données est plus grand que tout. Et il dit aussi: Mon Père et moi, nous sommes un. Alors, exerçons-nous un tout petit peu à une forme de syllogisme. Si le Père est plus grand que tout, or Jésus et le Père sont un, donc Jésus est plus grand que tout. Le Père est plus grand que tout. Or Jésus et le Père sont un. Donc, Jésus est plus grand que tout. Et on pourrait poursuivre. Le Père est Dieu. Or, Jésus et le Père sont un. Donc, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est plus grand que tout. Dieu fait homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que tes épreuves. Il est plus grand que ton chômage. Il est plus grand que ton péché. Il est plus grand que le mal que tu fais, la vie de débauche que tu mènes. Il est plus grand que les épreuves que tu traverses dans ton mariage, dans ta famille. Il est plus grand que l'adversité à laquelle tu fais face. Dans ton lieu d'habitation, dans ta propre maison, ou dans ton quartier, ou sur ton lieu de travail. Jésus est grand. Dieu est grand. Jésus est grand. Jésus est Dieu. Il est plus grand que tout. Il est au-dessus. Exerçons-nous à nous répéter cette parole. Dieu est grand. Dieu est plus grand que tout. Lorsque nous sommes au cœur de la tourmente, au cœur des épreuves, nous sommes ballottés de gauche à droite par les vicissitudes de notre vie, rappelons-nous ces paroles. Mon Dieu est plus grand que tout ce que je subis en ce moment. Mon Dieu est plus grand que tout ce que je traverse. Et parce qu'il est plus grand que tout, il voit, il n'est pas indifférent à ce que je vis. Ma cause est entre ses mains. Ma situation est entre ses mains. Parce qu'il est grand. C'est son esprit qui anime toute la création. Il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et de tout ce qu'ils contiennent, et le ciel et la terre. Dieu est grand. Proclame à ta situation. Proclame sur ta vie. Proclame devant les épreuves que tu traverses. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est plus grand que tout. Le Père est grand. Jésus est grand. Jésus est Dieu. Il ne m'a pas oublié. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Que le Saint-Esprit te donne de porter ce jugement, d'avoir cette sensibilité-là, de dire, de penser, mon Dieu est plus grand que tout ce que je traverse, que tout le mal que je peux subir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne journée.